qui est prévu. Et notre réunion du jour vise à la remise du premier rapport de mission d'information de la législature qui concerne un sujet important puisqu'il s'agit de la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des directions départementales de la police nationale. C'est un sujet qui a été sensible et sous le feu de l'actualité, puisque l'organisation et le fonctionnement de la police nationale sont finalement assez peu connus, et nos rapporteurs vont y remédier dans peu de temps. Et deux de nos collègues, sur une base transpartisane, ont pu mener un travail en profondeur pour les éclairer, pour éclairer la représentation nationale et naturellement ceux qui nous regardent. Pour faire ce rapport, Madame Marie Guévenoux et Monsieur Hugo Analysis se sont manifestement investis sur le sujet, puisque vous avez dessiné plus de 90 personnes, mené 33 auditions ici à Paris et avait réalisé 3 déplacements de terrain dans des départements préfigurateurs où vous avez rencontré l'ensemble des acteurs. Donc nous sommes très heureux et impatients d'entendre vos conclusions. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer, Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Déjà, il me vient de faire les remerciements d'usage, déjà de la commission, qui nous a permis de faire réaliser ce travail important sur un domaine qui n'est pas directement législatif, mais qui met le contrôle de l'action du gouvernement et du domaine réglementaire. Ça, c'est le premier point. Moi, je tenais aussi particulièrement à remercier Marie Guévenoux, avec qui on a travaillé pendant de nombreux mois et on n'a pas chômé, et avec un résultat qui est pour moi assez intéressant et important, même si on n'a pas tout partagé dans le rapport, et on l'a assumé aussi pour avoir différentes visions et points de vue, que chacun puisse se faire sa conviction sur la réforme à venir. Et puis, terminer en disant quand même, Monsieur le Président, que nous avons été la mission d'information qui a le mieux tenu ses délais, compte tenu des engagements qui avaient été pris pour permettre aux autres de travailler. Je tiens à le préciser pour la suite. Ceci étant dit, pour entrer dans le vif et sur le fond du sujet, on a cette réforme de la police nationale qui concerne l'intégralité, je le rappelle, de la police nationale, pour laquelle nous avons regardé les impacts précis sur la police judiciaire, étant entendu dans son acception la plus large, police judiciaire, pas juste direction centrale de la police judiciaire, mais y compris la police judiciaire au sein de la sécurité publique, c'est-à-dire les sûretés urbaines et sûretés départementales, mais aussi la police judiciaire dans d'autres directions, notamment celle de la police aux frontières, qui sont concernés évidemment par cette départementalisation. Pour rappel, la mission d'information, donc elle a été lancée ici à la commission des lois au tout début de la rentrée parlementaire, et nos collègues sénateurs ont fait de même. Je crois qu'ils rendent leurs conclusions aussi dans la journée, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi les 3 inspections qui ont été sollicitées, inspection générale de l'administration, inspection générale de la police nationale et inspection générale de la justice, qui ont rendu leurs conclusions il y a un peu plus d'une vingtaine de jours. Et d'ailleurs, on vous invite à regarder, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, l'audition que nous avons faite ici des membres de ces missions, de ces inspections, pardon, suite à leur conclusion. Déjà, un premier point, je pense qu'on peut dire qu'il était plutôt salutaire de mettre un petit coup d'arrêt au processus de réforme de la police pour se poser, regarder et recréer du lien là où il en manquait dans cette conduite de réforme. Quel que soit le point de vue qu'on a sur la réforme et sur ses objectifs, sur ses enjeux, de se dire le mieux, c'est d'associer un maximum de monde, qu'elles soient comprises, qu'elles soient entendues, à défaut d'être à tout le moins acceptées. Et on n'y était pas à l'été dernier. Et donc, je pense que c'est un point salutaire. Autre élément intéressant de notre mission, c'est que finalement, nous avons pu regarder de plus près les enjeux de la filière judiciaire, ce qui n'avait pas vraiment été fait dans un document à l'Assemblée nationale. Souvent, on dit il y a un problème avec la filière judiciaire, il manque d'officiers de police judiciaire, il y a une crise des OPJ, sans que jamais on ait regardé complètement le fond du sujet, le pourquoi du comment, à la fois des différents acteurs concernés, ceux qui sont directement concernés, les enquêteurs et enquêtrices, mais aussi tous ceux qui travaillent avec eux, la hiérarchie policière et surtout l'autorité judiciaire, évidemment. Donc on a aussi soulevé, et c'est important de le relever dans notre rapport, un certain nombre d'éléments qui sont inquiétants d'engorgement de la filière judiciaire, la question des stocks, et vous savez sans doute qu'il y a une inspection par ailleurs qui a été lancée précisément sur ce sujet, qui est un sujet colossal, un défi que nous avons devant nous. Vous dire
Pour ma part, comme je ne, et c'est admis, hein, je pense que tout le monde, y compris tous les opposants à la réforme telle qu'elle est conçue aujourd'hui, sont d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut réformer la police nationale. Personne n'est opposé au fait de changer, de bouger des lignes. Mais la question, c'est pourquoi faire et dans quel cadre ? Et là, le cadre de la départementalisation, qui est le point de départ de la réflexion et de la réforme, et le point d'arrivée, en réalité, pose et continue de poser des questions. Vous savez sans doute que hier, les policiers de la filière judiciaire se sont à nouveau manifestés devant leur service, un peu partout dans le pays, suite à la fois aux conclusions des inspections, mais surtout aussi aux annonces du ministre qui laissent à penser que la réforme continue, en tout cas dans le cadre de la départementalisation, même si des modifications ont prévu d'être opérées, notamment pour sanctuariser les moyens sur la lutte contre la criminalité organisée, qui a été un point d'attention particulièrement marqué pour chacune de nos auditions, quels que soient les acteurs et actrices du sujet, que ce soit côté autorité judiciaire, autorité policière et autres. Donc, il est important et déterminant de rappeler que nous avons touché du doigt des problématiques qui dépassent même juste la simple départementalisation de la police nationale. Finalement, mettre dans une seule et même filière l'ensemble de la filière investigation, c'est-à-dire de la sûreté urbaine jusqu'en haut, c'est-à-dire les offices centraux, en passant par la police judiciaire au sein de la police aux frontières, personne ne dit que c'est un problème, et c'est même une plus-value de regrouper ensemble tous ces gens qui font de la procédure pénale, qui font de la procédure judiciaire, et que, encore une fois, le sujet n'est pas exactement à cet endroit. La question est, où sont positionnés les moyens et qui en décide ? Où se trouve l'autorité ? Est-ce que l'autorité hiérarchique et l'autorité fonctionnelle, telles qu'ils sont prévus par la réforme, vont permettre d'améliorer la situation actuelle ou, à contrario, la complexifier ? Moi, j'en arrive à la conclusion suivante, c'est que les apports de la départementalisation de la police pour ce qui concerne la filière judiciaire dans son ensemble, ne sont pas démontrés. Et qu'à contrario, les problématiques qui ont pu être soulevées au fur et à mesure des auditions, les palliatifs qui sont proposés par le ministère de l'Intérieur, n'emportent pas forcément des garanties suffisantes sur le long terme. Je pense que tout le monde admettra qu'à court terme, les changements seront mineurs. Effectivement, le ministre a déjà annoncé qu'il ne bougerait pas les effectifs, que ceux qui sont actuellement en PJ resteront en PJ, qu'il n'y aura pas de déplacement des services enquêteurs, il n'y aura pas de déplacement des antennes PJ, etc. Bon, ceci est communément admis. La question reste à savoir qu'est-ce que cela donnera dans le temps. Et je veux juste faire une toute petite digression sur la réforme de 1995, qui est en réalité la dernière grande réforme qui a concerné la filière judiciaire dans notre pays, puisque c'est la suppression du corps des enquêteurs et des inspecteurs de police qui a fait qu'ils ont été transformés en officiers, des inspecteurs de police, et que tout le monde pouvait dorénavant, qu'on soit en tenue ou en civil, faire de la police judiciaire en ayant la formation et la qualification d'officier de police judiciaire. Hein, c'est la démocratisation de la qualité d'OPJ qui s'est organisée en 1995. Et il était intéressant de voir qu'à cette époque, c'était déjà pour lutter contre le cloisonnement, meilleure communication entre les services, éviter l'esprit de chapelle, etc. Et qu'on en arrive aujourd'hui en 2023 à se dire, est-ce que ce n'est pas le fait que cette réforme ait supprimé les spécificités de la filière judiciaire, dont certains ont pu essayer de les sauvegarder dans l'actuelle direction centrale de la police judiciaire et dans les offices centraux, qui fait qu'on a encore une police judiciaire qui fonctionne correctement et qui est très vantée à travers l'Europe entière pour ses résultats particulièrement bons dans notre pays. Et là, on vient terminer cette spécificité, puisque à la fin, évidemment, le directeur départemental de la police nationale aura les moyens sur l'ensemble des services, y compris les moyens budgétaires. Et j'ai vu les préconisations de la mission des inspections qui nous dit qu'il faudra mettre en place des indicateurs pour suivre spécifiquement les moyens qu'on attribuera à la criminalité organisée, les moyens et la logistique qu'on attribuera à la filière investigation, la filière judiciaire. Je l'appelle judiciaire, je préfère, c'est plus clair dans mon esprit. Or,
en l'état actuel de la réflexion du ministère de l'Intérieur et des retours qu'on a pu avoir, ne serait-ce que juste savoir quelle sera la future cartographie budgétaire, c'est-à-dire qui va décider de quoi, à quel endroit, sur les dépenses, tout ça n'est pas encore établi. Alors que nous sommes début février et que la réforme est censée commencer à s'appliquer sur le deuxième semestre de 2023 et que nous arrivons avec des échéances sur les Jeux Olympiques. Bon, je conclue en vous indiquant que des tas d'éléments qui sont vantés comme étant positifs par les expérimentations qui ont eu lieu, finalement n'ont que peu de corrélation, voire pas de corrélation, avec la départementalisation. Je pense des choses opérationnelles très concrètes qui ont pu être mises en avant, notamment l'accès à des fichiers qui sont au sein de la filière investigation en sécurité publique, la main courante informatisée ou le logiciel de communication opérationnelle de police qui s'appelle Audicop. L'accès à ces logiciels, il n'y a pas besoin de départementaliser. Il suffit de donner accès aux effectifs de la police judiciaire pour le faire. Le fait que la sécurité publique prenne en charge les présentations des auteurs aux magistrats ou les conduites en incarcération. Pareil, pas de difficulté à l'organiser en tant que tel sans que ce soit départementalisé. Rapprocher les services par thématique opérationnelle pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble entre sécurité publique et filière de la DCPJ. Je pense notamment sur la lutte contre les stupéfiants. Vous savez que les CROSS sont déjà aujourd'hui opérationnels. C'est-à-dire, c'est leur nom, hein, le renseignement opérationnel sur les stupéfiants. Ils travaillent déjà ensemble, ils le font ensemble, c'est efficace et ça fonctionne, alors que ce n'est pas départementalisé à l'heure où on se parle. Donc on sait faire ça, tout en maintenant les spécificités de la police judiciaire, c'est-à-dire de sanctuariser leurs moyens et du coup le temps d'enquête et l'efficacité de l'enquête pour démanteler des réseaux et de la criminalité organisée. Toujours est-il que, à contrario, la départementalisation ne va pas régler des problèmes qui pourtant sont majeurs au sein de la filière investigation. Je vous l'ai dit, la question des stocks. Tout le monde a admis dans une audition, ça n'aura pas d'impact sur les stocks. Et pourtant, il faudrait bien faire quelque chose et la réforme devrait pouvoir essayer d'aider et de résoudre ce problème majeur. La question du manque d'attractivité dans la filière judiciaire. Alors on peut se dire que tout le monde va être regroupé au même endroit, mais il n'est pas prévu de modification substantielle en termes de RH pour favoriser davantage la spécialisation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est favorisé en police, quand vous voulez prendre votre grade, votre avancement, c'est la mobilité. Point. Pas la spécialisation. La question de l'immixtion potentielle de l'exécutif dans des affaires en cours. On aurait pu avoir des garanties supplémentaires par le cadre de cette réforme. Ce n'est pas le cas. Sur le sentiment actuel des procureurs de la République d'être dépossédés de la politique pénale et d'avoir l'impression que c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a conduit et non pas le ministère de la Justice. La départementalisation ne va pas régler ce problème-là non plus, ne faire avancer les choses dans cette direction. Donc, dit autrement, la départementalisation ne va pas régler les problèmes majeurs de la police judiciaire et quand on regarde les expérimentations, ce n'est pas la départementalisation en soi qui a permis d'améliorer les relations entre les périmètres sécurité publique et police judiciaire au sens direction centrale de la police judiciaire et police aux frontières. Donc je dirais qu'à la fin, la préconisation centrale que je formule, la conclusion, c'est qu'il est urgent de faire en sorte que la police judiciaire reste à part du reste de la police nationale dans ses moyens humains, dans sa question logistique, dans sa question budgétaire, mais que néanmoins, il faut travailler et organiser la coordination entre les services, qui, elle, est essentielle, est impérieuse au vu de l'efficacité des services. Et on sait faire les deux à la fois. On saurait l'organiser notamment par le niveau zonal qui, je pense, doit être investi. En définitive, quel que soit le positionnement qu'on a sur la réforme, je pense qu'il faut avoir une attention toute particulière sur le futur niveau zonal de la police nationale, qu'on soit pour ou contre, qu'on veuille séparer la police judiciaire ou pas, parce que c'est là que vont se passer le fait qu'on ne reste pas dans un carcan départemental au vu de l'efficacité de l'action policière. Et à tout le moins, d'un point de vue de calendrier, je pense qu'il serait extrêmement et davantage raisonnable d'attendre pour appliquer la réforme après les Jeux Olympiques en tant que tels et de consacrer l'année et demie qui nous reste d'ici là à faire en sorte que tous les petits détails qui en final n'en sont pas soient réglés en amont. La question des logiciels RH, des bascules, des futurs arrêtés de nomination, de la question des habilitations à accéder à tel ou tel fichier ou à tel ou tel logiciel, toutes choses qui feraient
que s'il n'était pas pris en compte correctement et qu'on précipitait les choses, on pourrait avoir, même pour les défenseurs de l'actuelle réforme, des problématiques majeures dans le fonctionnement de la police et notamment dans sa filière investigation. Voilà les retours que je voulais vous faire sur ces 5 mois, 4 mois et demi de travail et des nombreuses recommandations que nous faisons. Et je serai, moi, en ce qui me concerne, particulièrement vigilant, effectivement, sur les suites de cette réforme et des mobilisations qui vont avec, puisqu'il y a déjà une nouvelle date qui est annoncée pour le 11 mars hein, pour la police judiciaire et qu'il est extrêmement important que ce que l'on raconte dans ce rapport, y compris et surtout peut-être davantage les conclusions de Marie Guévenoux, parce qu'elle est de la majorité, soit à tout le moins pris en considération par le ministère de l'Intérieur. Merci Monsieur Bernalicis. Madame Marie Guévenoux. Merci Monsieur le Président. Bon, d'abord, je rejoins mon collègue Hugo Bernalicis pour remercier à la fois le président de la commission des lois nous avoir permis et les collègues de la commission des lois nous avoir permis de mener ce travail. Et puis, je remercie le co-rapporteur d'avoir repris l'initiative de ce projet, de ce dossier, de ce sujet, et nous avoir permis de travailler ensemble et, au fond, d'arriver non pas à partager l'ensemble des recommandations, mais au moins un certain nombre de parties, à la fois le constat de difficultés de la police nationale et en particulier de la filière investigation. Et puis ensuite, on a également rapporté en commun la présentation de la réorganisation telle que nous l'avons compris et observé. Et puis enfin, des recommandations qui en partie sont communes et puis à d'autres moments divergent. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, 33 auditions, 3 déplacements, 120 personnes entendues. Depuis octobre, la mission a beaucoup travaillé, et ça jusqu'à la semaine dernière, des magistrats, des préfets, des policiers, ainsi que l'ensemble des directions du ministère de l'Intérieur et de la Justice concernées, syndicats, associations, universitaires ayant travaillé sur ces sujets. Tous ont fait l'objet d'une audition dont la plupart étaient filmées et diffusées en direct sur le site de l'Assemblée nationale dans cette même salle. Toutes les expressions, tous les points de vue se sont ainsi prononcés librement et se retrouvent retranscrits dans ce rapport, qui ne se contente pas de présenter le projet de réforme et nos recommandations pour l'améliorer, mais revient aussi sur la situation de la filière judiciaire confrontée à de graves difficultés. Le co-rapporteur l'a indiqué, les difficultés, ce sont d'abord des stocks considérables de procédures judiciaires non traitées auxquelles sont confrontés les enquêteurs de la Direction centrale de la Sécurité publique, 1,5 million pour toute la direction, 104 procédures par enquêteur. L'ampleur de ces stocks interdit bien souvent la réalisation d'investigations sérieuses dans des délais raisonnables. Ils conduisent ainsi à des classements sans suite qui démobilisent les policiers et suscitent l'incompréhension des victimes. Une incompréhension d'autant plus grande que la réponse judiciaire quant à certaines catégories d'infractions, comme les violences intrafamiliales et les violences sexuelles en premier lieu, suscite de plus en plus d'attentes de la part de nos concitoyens qui souhaitent que ces faits n'échappent plus au regard de la justice. Cette surcharge des services d'investigation n'a pas été sans effet sur les taux d'élucidation en baisse constante depuis 10 ans, quel que soit le type d'infraction considérée. Entre 2010 et 2019, le taux d'élucidation a ainsi baissé de 12 points pour les violences non crapuleuses, de 15 points pour les violences sexuelles, de 16 points pour les infractions économiques et financières. Elle a également conduit à une perte d'attractivité de la filière judiciaire. L'investigation, en effet, ne parvient plus à attirer les policiers sortis d'école, ni même à maintenir les enquêteurs aguerris qui préfèrent rejoindre leurs collègues de la voie publique. Outre la pression de la masse, c'est le manque d'officiers qui se fait lourdement sentir. Sans eux, les enquêteurs se trouvent seuls, sans appui pour leur transmettre la pratique d'une procédure pénale devenue excessivement complexe. Ces contraintes, insuffisamment compensées, s'ajoutent à un rythme de travail inhérent à l'enquête qui empiète sur les nuits, les week-ends et les jours fériés des agents. Aujourd'hui, même les services les plus spécialisés de la police judiciaire commencent à sentir les effets de cette pénurie d'enquêteurs qui affecte depuis longtemps les services de la sécurité publique. Alors, la LOPMI a apporté de premières réponses à ces difficultés. La prime d'officier de police judiciaire, qui est le principal outil de valorisation financière de la fonction d'enquêteur, a été revue à la hausse avec une première augmentation de 20% de son montant en 2021 qui l'avait amené à 1300 euros par an. Cette prime a été désormais portée à 1500 euros, ce que l'ensemble des acteurs du monde judiciaire a salué. Le nombre de bénéficiaires a également été accru
passant de 19 262 en 2022 à une prévision de 26 000 en 2027. Et par ailleurs, l'avancement au sein de la filière vitivinicole a été facilité par les détenteurs de la qualité d'OPJ. Un important chantier a également été entamé pour traiter le problème de la complexification de la procédure pénale qui réduit le temps d'enquête et démobilise les enquêteurs avec, je passe très vite, une nouvelle catégorie d'acteurs de la procédure pénale avec la création des assistants d'enquête. Et puis enfin, la LOPMI a également amorcé la mise en œuvre du processus de simplification de procédure pénale qui avait appelé les conclusions du Beauvau et de la sécurité des États généraux de la justice. La réforme de la police nationale s'inscrit dans cette même démarche de modernisation et de restauration. Elle ne va pas tout régler. Elle vise à transformer en profondeur l'organisation centrale et territoriale de l'ensemble de la police nationale en s'appuyant sur trois niveaux de déclinaison, à savoir un pilotage national, une coordination zonale et une action départementale dans le cadre des directions départementales de la police. Pour la police judiciaire, une nouvelle filière unifiée rassemblera les effectifs des actuelles sûretés urbaines et départementales de la sécurité publique et ceux des services dans l'enquête de l'actuelle direction centrale de la police judiciaire. Ces effectifs seraient au niveau national, pilotés par une direction nationale de la police judiciaire en charge de l'animation de la filière. Elle aurait sous ses ordres les entités nationales opérationnelles comme les offices centraux de police judiciaire. Au niveau zonal, vous aurez un directeur zonal délégué ou adjoint à la police judiciaire qui serait chargé, lui, de décliner, d'animer, de coordonner la filière. Nous l'avons d'ailleurs inscrit dans la LOPMI. Cet échelon disposera de moyens humains et budgétaires propres afin de garantir le traitement de la criminalité organisée complexe ou présentant une particulière gravité. Enfin, au niveau départemental, le directeur départemental, dit DDPN, aurait autorité sur l'ensemble des personnels de la police nationale, y compris les policiers rassemblés au sein de la nouvelle filière de police judiciaire. Il dirigerait opérationnellement les forces sous sa responsabilité. Concrètement, les anciens services de police judiciaire deviendraient des services interdépartementaux de la police judiciaire, des SIPD, qui seront rattachés à une DDPN, mais compétents sur plusieurs départements, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour ces services. Les services interdépartementaux de PJ seraient donc principalement composés de deux blocs, rassemblant l'ensemble des enquêteurs, l'un chargé de traiter certaines formes de criminalité du quotidien, ce dont s'occupe aujourd'hui la sécurité publique, et l'autre de la criminalité organisée prise en charge aujourd'hui par la PJ. Dans les départements ne comprenant pas aujourd'hui d'implantation PJ, les effectifs des anciennes sûretés départementales et urbaines seraient rassemblés dans des services départementaux de police judiciaire, des SDPJ, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, ces services auraient une dimension départementale. La réforme a fait l'objet de plusieurs critiques que nous avons entendues tout au long de ces auditions. Elle est d'abord confrontée à une critique de la méthode. De nombreuses personnes auditionnées ont regretté un manque de concertation. C'est justement ce qui a conduit à la création des trois missions inscrites dans la LOPMI et qui complète de larges consultations menées par la DGPN en lien avec le ministère de la Justice dans l'ensemble des zones de défense. Les syndicats de police, élus en décembre dernier, seront pleinement associés à la mise en œuvre de la réforme, et c'est une garantie qui a été à la fois inscrite dans le rapport annexé et qui a été confirmée tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur lors des questions au gouvernement. Ensuite, les magistrats entendus par la mission d'information craignent que la réforme de la police nationale, en particulier du fait de son unicité de commandement, porte atteinte à l'autorité judiciaire par une remise en cause du libre choix du service d'enquête. Là aussi, j'entends ces inquiétudes, mais je tiens à rappeler qu'il n'est pas question de modifier la partie législative du Code de procédure pénale et que nous l'avons aussi rappelé dans le cadre du rapport annexé de la LOPMI. Enfin, en troisième point, les acteurs de la filière judiciaire redoutent une mutualisation des moyens de la police judiciaire et de la sécurité publique par une mobilisation de la PJ vers le traitement de la délinquance du quotidien. En réponse à ces inquiétudes, la LOPMI précise qu'aucun fonctionnaire de la DCPJ ne sera contraint de changer de mission. Les projets de structuration de la filière judiciaire dans les départements que nous détaillons dans le rapport traduisent concrètement cet engagement afin d'éviter toute consigne contradictoire. Nous préconisons aussi qu'une doctrine d'emploi de la filière judiciaire, qui est en cours de rédaction, fixe les règles relatives aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de la police judiciaire. Enfin, de nombreuses personnes auditionnées ont insisté sur la nécessité de maintenir un spectre large de lutte contre la délinquance qui dépasse régulièrement les frontières administratives du département et trouve des ramifications régionales, nationales, voire internationales.
Il nous a été régulièrement expliqué que la départementalisation de la PJ était un non-sens pour cette raison évidente. Que les choses soient claires, il n'est pas question de revenir sur la compétence supra-départementale de la police judiciaire qui existe déjà dans les services de police judiciaire. Concrètement, le service interdépartemental de police judiciaire qui remplacera les SPJ sera, comme son nom l'indique, compétent au-delà de sa DDPN de rattachement. Le DDPN ne pourra l'en empêcher, la doctrine ainsi que l'ensemble de sa hiérarchie s'y opposeraient. Cette crainte a également conduit le ministère de l'Intérieur à s'engager dans la LOPMI pour la préservation d'un échelon zonal pour les affaires les plus sensibles, comme le sont celles liées à la probité des élus. Enfin, de nombreuses personnes que nous avons entendues craignent une atteinte accrue à la protection du secret de l'instruction, les enquêtes les plus sensibles pouvant selon eux faire l'objet d'ingérence ou à tout le moins de soupçons d'ingérence par l'autorité préfectorale. C'est en réponse à cette crainte, que nous n'avons jamais pu constater pendant nos travaux, que nous avons justement souhaité consacrer un échelon zonal. La réorganisation est déjà mise en œuvre depuis 2020 dans les collectivités ultramarines, dans le cadre des directions départementales de la police nationale. Elle est expérimentée depuis 2021, puis 2022, dans 3, puis 8 départements métropolitains. Le bilan des DDPN est globalement positif. Ces nouvelles directions structurent une organisation moins disparate, favorisent la solidarité entre services, un meilleur suivi des dossiers et une meilleure prise en charge des victimes. Matériellement, la réforme a permis de mieux appréhender les besoins et de gérer avec plus d'efficacité l'immobilier du ministère. D'un point de vue judiciaire, les taux d'élucidation des principaux agrégats de la délinquance progressent, parfois de manière significative, notamment dans les DTPN mises en place dès 2020. La situation, elle, est plus contrastée dans les départements expérimentateurs, en particulier parce qu'un certain nombre d'entre eux n'a pas mené à bien cette expérimentation qui a lieu à droit constant. Mais dans les situations où l'expérimentation a bien été mise en œuvre, par exemple dans l'Oise et en Savoie, où nous sommes rendus, elle donne des résultats positifs similaires à ceux des départements, des directions territoriales de la police nationale en Outre-mer. Elle a amélioré la coordination de l'information entre toutes les composantes de la police nationale, optimisé la présence des effectifs sur le terrain et généré un gain immédiat en efficacité sur différentes missions. Concrètement, elle a permis de libérer du temps d'enquête, de multiplier les co-saisines, de mieux partager les expériences, de mutualiser des équipements et des échanges radio. Plusieurs difficultés ont été révélées dans certains départements expérimentateurs et doivent cependant être corrigées. Il a pu par exemple arriver dans les collectivités ultramarines comme en métropole que la mise en place du DDPN fasse de celui-ci le destinataire naturel des saisines des magistrats. S'agissant des DDPN, ce constat a été souligné comme étant à la fois une simplification, dans la mesure où cela facilite le rôle des magistrats, mais aussi une difficulté qui porterait atteinte au libre choix du service d'enquête. Pour prévenir ces difficultés à l'avenir, nous recommandons que le décret énumérant les services pouvant être saisis soit le plus complet possible. Dans tous les cas, le magistrat gardera la possibilité de ne pas passer par le DDPN pour saisir le service d'enquête de son choix. La réforme étant expérimentée à droit constant, quelques incidents, peu nombreux et survenus en début d'expérimentation, liés à une mauvaise application des consignes, nous ont été remontés. La police judiciaire a pu au début de l'expérimentation être mobilisée sur des opérations ne relevant pas de sa compétence. Des effectifs non spécialités de la PAF ou de la sécurité publique se sont retrouvés sur des opérations relevant de la police judiciaire du fait de la mutualisation des effectifs d'astreinte. Ces difficultés ne doivent pas être niées, mais elles sont surtout liées à l'absence de normes précises déterminant le fonctionnement des DDPN. Cela ne sera plus le cas à l'avenir, une fois l'ensemble des actes réglementaires pris par le ministère de l'Intérieur. Des difficultés d'ordre immobilier sont également relevées, et il faudra que le ministère se penche également sur cette question. Surtout, la principale difficulté est l'absence de mise en œuvre de la réforme dans certains départements expérimentateurs, ce qui est regrettable car les endroits où elle existe déjà sont un laboratoire et une vitrine de ce que pourrait être la police de demain. Enfin, dans les directions territoriales de la police nationale comme dans les directions départementales de la police nationale, la réforme n'a pas eu de conséquences sur les stocks de procédures, comme l'a indiqué mon collègue Hugo Bernalicis. Mais je voudrais redire ici que, contrairement à ce qui a pu être indiqué, ce n'était pas l'objectif de la réforme. La réforme de la police nationale peut devenir une chance pour cette filière de se réinventer, tout en préservant sa tradition d'excellence et des grands principes qui régissent son fonctionnement.
Mais les critiques qu'elle suscite, ainsi que certaines difficultés soulevées par les expérimentations, nous conduisent à formuler plusieurs recommandations visant, pour ce qui me concerne, à garantir son déploiement serein dans les prochains mois. Il faut d'abord apporter toutes les garanties nécessaires à l'autorité judiciaire. Je souhaite que, dans la mesure du possible, des visites régulières des parquets, aléatoires ou programmées, puissent avoir lieu dans les services d'enquête. La doctrine de la police judiciaire doit associer pleinement l'autorité judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme et un dialogue riche et continu entre la justice et les chefs de police doit être maintenu à cet effet. J'en parlerai tout à l'heure, la liste des services d'enquête qui peuvent être saisis doit être la plus complète possible et notamment permettre la saisine des services interdépartementaux de police judiciaire. Je souhaite aussi la mise en œuvre d'une double évaluation du directeur départemental de police nationale et du directeur zonal de police nationale par l'autorité judiciaire au même titre qu'ils le seront par l'autorité préfectorale. Le ministre nous a d'ores et déjà donné des garanties en ce sens lors de la séance de questions de tout à l'heure. Il faut ensuite valoriser la filière et les parcours individuels. Leur travail doit être simplifié. Si la LOPMI y a déjà contribué, nous devons poursuivre nos efforts de simplification de la procédure pénale dans le respect des droits de la défense. Le chef de service de police judiciaire doit être doté d'un véritable statut reconnaissant son niveau de responsabilité. Surtout, la filière judiciaire doit être plus attractive. Les contraintes de rythme de travail des enquêteurs doivent être mieux reconnues, le déroulement des carrières et les primes adaptées à leur contingence, la prime OPJ déjà substantiellement revalorisée en début d'année doit l'être encore davantage pour refléter l'investissement sans compter des fonctionnaires qui font tourner nos services d'enquête. Enfin, chaque poste OPJ exerçant des fonctions d'investigation doit être cartographié. La filière doit être renforcée. Les recommandations que nous formulons invitent à moderniser et dynamiser la gestion RH de la nouvelle filière police judiciaire en développant une mobilité saine qui doit profiter à l'ensemble de cette filière. Les enquêteurs doivent avoir une meilleure visibilité sur leurs carrières qui leur sont proposées et sur leurs facultés d'évolution. Cela doit se faire sans nuire à la spécialisation des enquêteurs. Des recrutements spécialisés pourraient être organisés pour répondre aux besoins les plus complexes et des effectifs d'autres investigations devraient être intégrés aux services d'enquête pour leur faire profiter de leurs compétences et de leur expertise. La nouvelle filière doit avoir des chefs en nombre suffisant pour diriger leurs services. Le ministère de l'Intérieur doit viser un cap de 30% de taux d'encadrement afin de ne pas laisser les enquêteurs livrés à eux-mêmes. Les moyens matériels et équipements techniques doivent être modernisés. Pour y parvenir, un tiers des moyens affectés par la LOPMI à la police nationale devraient être affectés à la police judiciaire. C'est un objectif ambitieux, mais que j'espère raisonnable et réalisable. Les moyens dévolus aux enquêtes les plus complexes ou les plus sensibles doivent aussi être sanctuarisés, en particulier en matière économique et financière, et en dotant les DZPN de moyens propres suffisants pour mener leur investigation. Enfin, la mise en place de la réforme doit être suivie sur un temps plus long que celui de notre mission d'information. Nous proposons d'une part que des indicateurs de suivi soient créés et nous permettent, dans le cadre des débats budgétaires, d'évaluer année après année ces résultats. Et il nous semble par ailleurs pertinent, Monsieur le Président, 2 ans après la mise en œuvre effective de la réforme, de créer une nouvelle mission d'information en dressant le bilan. Voilà, mes chers collègues, le tableau rapide mais exhaustif, ou long mais exhaustif, je ne sais pas, des recommandations et du travail que j'ai mené aux côtés du co-rapporteur Hugo Mernesis. Merci. Merci Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Je vous propose de suspendre quelques minutes pour aller voter en séance et puis on se retrouve. Ce sont désormais nos contingences.
Bien, on va reprendre. Je vous remercie d'avoir accepté ce petit switch. Je donne la parole aux différents parlementaires qui se sont inscrits. Monsieur Didier Paris, vous étiez le premier inscrit pour le groupe Renaissance. Bon, là, on ne va pas très regardant. Si vous voulez faire 3 minutes, vous pouvez, je vous les donne. Oui, rapide, quoi. Oui, 3 minutes, c'est bien. Je ne vous couperai pas. Je voulais féliciter Marie Guévenoux et Hugo Bernalicis pour ce travail. C'est vrai qu'il est un peu compliqué parce qu'il faut rentrer dans une situation relativement complexe, celle de l'organisation de notre police, qui met d'ailleurs à part la gendarmerie, ce qui est un petit peu gênant, mais c'est comme ça, et qui un travail que vous avez mené de fond, je trouve, très intéressant, vraiment très intéressant, mais qui se trouve en miroir avec... le rapport des 3 inspections générales, avec des projets en cours sans être de vrais projets, avec des expérimentations. Donc, chapeau, si je puis dire, d'avoir réussi à trouver un schéma, un fil conducteur dans cette difficulté-là. J'ai 2 ou 3 points d'intervention. Le premier, sans vouloir remettre en cause son objectivité, mais j'avais noté que Hugo Bernalicis considérait que le projet de départementalisation mettait délibérément à mal le principe d'indépendance vis-à-vis de l'autorité judiciaire, enfin de l'autorité judiciaire vis-à-vis du préfet. C'est un thème que vous avez abordé sans trop vous appesantir dessus, ni l'un ni l'autre, mais j'ai lu des éléments dans le rapport. Les 2 rapports ensemble, ça fait quand même 250 pages, presque 300. Dans le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué, mais je voulais avoir votre sentiment profond là-dessus, au-delà simplement des prises de position plus ou moins corporatistes que vous avez nécessairement recueillies. Avez-vous réellement le sentiment que la départementalisation, c'est finalement un transfert direct pour le préfet, ou au contraire, on arrive avec les principes d'amélioration que vous avez vous-même soulevés à finalement une situation qui n'est pas différente, à droit constant et donc à opérationnalité constante, si je puis dire. Deuxième question, pour faire très vite, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'organisation et donc vos observations sur ce point, l'organisation possible de la police judiciaire entre la partie interdépartementale et la partie zonale. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que la partie zonale, le directeur zonal de la police nationale, a un quelconque effet sur l'organisation de la police judiciaire? Premier élément. Et deuxième élément, finalement, si on a une police judiciaire interdépartementale, qu'est-ce qui la différencie au fond du SRPJ que nous connaissons actuellement? Est-ce que vous pouvez préciser ces 2 éléments-là? Et encore une fois, vous avez fait des préconisations et des recommandations d'amélioration qui me semblent parfaitement bienvenues. J'arrête là mes questions parce qu'il y en aurait 350 en réalité sur l'ensemble des dispositifs. Merci. Merci, Monsieur Paris. Monsieur Stéphane Rambaud. Mes chers collègues, je tiens à remercier les 2 rapporteurs pour le travail qu'ils viennent de fournir afin de mieux nous éclairer sur la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des directions départementales de la police nationale. Les auditions menées lors de cette mission d'information permettent d'apporter un éclairage nouveau, loin de la phraséologie officielle développée par M. le ministre de l'Intérieur. En effet, le projet tel que proposé actuellement est bien plus systémique qu'une simple réforme de la police judiciaire. Réduire l'analyse à la simple question du traitement des dossiers judiciaires, c'est éviter de questionner le projet dans son ensemble en évaluant sa pertinence et ses objectifs et oublier bien commodément qu'il touche tous les agents avec des inquiétudes et des enjeux qui transcendent les directions d'emploi de la police. Je vous rappelle que depuis 2 ans pour certains, quelques mois pour d'autres, 10 départements test, dont 3 territoires ultramarins, expérimentent la nouvelle organisation qui doit servir de modèle à l'ensemble du territoire, avec une mise en œuvre générale au cours de l'année 2023. Un chef unique qui dirige la police au lieu d'un responsable par service, PJ, sécurité publique, police aux frontières. Malgré les audits fournis par plusieurs inspections générales qui semblent louer la réforme, il faut bien reconnaître que l'échelon territorial est mal choisi et inquiète. Cette départementalisation totale est une erreur qui aboutira mécaniquement à une baisse de qualité de travail de fond
pour les enquêtes les plus sensibles et de long terme. La polyvalence à outrance que l'on cherche à imposer par cette réforme est aussi source d'inquiétude. Alors que depuis des années, des moyens considérables ont été investis pour spécialiser et professionnaliser les agents, ces efforts risquent d'être réduits à néant si chacun est censé savoir tout faire. Les voyous, et notamment la criminalité organisée, eux, se spécialisent. C'est un comble. L'introduction d'autorités fonctionnelles multiples est aussi mal perçue. Un fonctionnement où la chaîne hiérarchique reçoit de multiples injonctions contradictoires n'est pas bien vécu. Ainsi, un DDPN sera soumis à un préfet, un procureur, un directeur zonal et plusieurs directeurs nationaux, chacun ayant son propre calendrier et ses priorités. Ce même DDPN sera en concurrence avec les adjoints zonaux thématiques qui auront chacun intérêt à une répartition différente des moyens et des effectifs. Je crois que l'on peut dire que la perception de la réforme demeure négative en raison de son caractère peu lisible, conçu sans grande concertation dans sa phase préliminaire. C'est pourquoi, pour ma part, je crois qu'il est urgent de geler ce projet de réforme mal parti, de créer des groupes de travail sérieux qui intégreront des représentants des différents corps de la police, de les faire travailler dans la concertation et dans le temps long pour fixer les objectifs de service public et déterminer les conséquences des changements induits par la réforme. J'ai fini. De décider l'organisation à mettre en place avec des niveaux territoriaux pertinents. Vous êtes gourmand, je vous donne 3 minutes et vous me reprenez encore 20 secondes. Monsieur Andy Cabra. En principe, c'est 4 minutes. Non, le principe, c'est celui que je fixe. Donc, c'était 2 et je vous ai donné 3. Les orateurs, et je vous ai donné 3, mais ce n'est pas grave. Minutes. Allez-y, monsieur Cabra. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus bref, mais je vais avoir du mal. Merci à nos chers collègues Marie Guévenoux et Hugo Bernalicis pour ce précieux rapport mettant en lumière notre PJ, ancienne et prestigieuse, enviée dans de nombreux pays, une évidente fierté pour nous tous, j'en suis sûr. En voulant la départementaliser, le ministre de l'Intérieur prétend la rendre plus attractive, permettre pour que son savoir-faire irrigue les autres services et de pouvoir permettre une polyvalence de ses agents. Dans le secteur privé d'où je viens, on appelait ça agilité. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il considère en réalité la petite délinquance comme prioritaire. Car dans la course aux chiffres, c'est le plus facile pour répondre à une politique qui est censée avoir disparu. La brigade du tigre va perdre du temps avec du menu fretin, les privant de leur travail minutieux et indispensable contre les réseaux, la délinquance en col blanc ou le terrorisme. Vous dites départementalisation, ils entendent démantèlement. À Nantes, où le service est vent debout contre votre réforme et encore mobilisé hier. Un enquêteur témoigne dans Ouest France en vous demandant de garantir leur bien le plus précieux, le temps. Il nous dit « Chez nous, c'est synonyme de liberté et de sérénité. C'est essentiel dans nos enquêtes. En PJ, on a le temps de réfléchir à un dossier. En PJ, on ne compte pas non plus notre temps. Demain, si on ne laisse plus le temps aux gars de travailler, c'est terminé les saisies de 350 kg de cocaïne pure ou l'interception de GoFast à 600 km/h, comme on a pu en faire à une certaine époque. Hier encore, nombreux d'entre eux, à peu près 1 sur 5, ont manifesté le rejet de cette réforme, mal conduite par le ministre de l'Intérieur, au mépris des conclusions des commissions parlementaires et du rapport Dominati de notre collègue du Sénat du 2 février dernier. Elle est ressentie. Elle se met en place contre les agents de la PJ et aussi contre les institutions judiciaires. Elle pourrait venir détricoter les moyens de la lutte contre la moyenne et la grande délinquance, ce qui est inquiétant pour nous toutes et tous. Et particulièrement ironique quand vous ne cessez, monsieur le ministre et la majorité, de réclamer des moyens, comme le soulignent les conclusions de mon collègue Bernalicis dans ses conclusions. En mêlant la police judiciaire à la sécurité publique dans la DDPN, vous montrez surtout une incompréhension profonde de sa philosophie. L'APJ va rendre des comptes au préfet et à Beauvau. Son impartialité et le secret de ses enquêtes seront remis en cause. Vous nous reprochez sans cesse, à tort, de détester la police. Mais que diriez-vous à Clémenceau qui, depuis l'année de 1907, nous disait « La seule police qu'une démocratie puisse avouer, la police judiciaire, n'est plus au service de l'arbitraire, son œuvre est de liberté. » Oui, la police judiciaire est un élément clé de notre démocratie, de la confiance de tous en la justice et à la protection apportée par la République aux innocents et aux victimes. Il faut la sanctuariser, c'est vital. Donc, chers collègues de la majorité, une seule question.
quand est-ce que vous demanderez au ministre de revenir sur cette réforme, de donner les moyens d'action humains, d'organisation et budgétaire pour notre PJ ? Merci, Monsieur Roger Vicot. Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter également d'être dans les délais. Alors, avec une petite remarque, j'adore lire les rapports de Mme Guévenoux et d'Hugo Bernalicis le soir venu, pendant quelques heures. Mais il est vrai qu'on a reçu le rapport un peu tardivement pour pouvoir s'en inspirer totalement pour cet après-midi. Néanmoins, je confirme qu'il est très intéressant et je vous félicite également pour le travail très complet qui a été fait sur ce sujet. Ce qui m'a quand même marqué le plus en lisant ce très intéressant rapport, c'est d'abord que l'un des principaux arguments qui est avancé par M. le ministre de l'Intérieur pour justifier la réforme de la PJ, il est battu en brèche à peu près par tout le monde. C'est-à-dire que l'argument selon lequel le fonctionnement en silo des services de police ne fonctionne pas, ne peut plus fonctionner, il est battu en brèche par tous ceux qui sont sur le terrain et qui finalement exercent, qu'ils soient procureurs, juges d'instruction, policiers bien entendu eux-mêmes, avocats, mais chacun dans ce rapport, remarquons-le, se félicite au contraire du bon échange d'informations entre les différents services de police et qui finalement fait que le système fonctionne très bien, notamment pour ce qu'on appelle le spectre haut de la délinquance, c'est-à-dire les affaires qui sont particulièrement traitées par la police judiciaire. Deuxièmement, je vois que ça va, le temps passe très vite. Deuxièmement, oui, la question de l'expérimentation, elle est beaucoup plus complexe que on ne l'a dit. J'entends encore Gérald Darmanin nous dire lors des débats de la LOPMI, parce qu'on est finalement dans la continuation, les expérimentations sont particulièrement positives. Non. Les expérimentations ne sont pas particulièrement positives. Là où les expérimentations sont considérées comme positives, vous notez que ce sont les départements où les préfigurateurs des DPN, finalement, n'utilisent pas leur pouvoir hiérarchique en totalité pour affecter la police judiciaire à d'autres missions qui sont les siennes. Donc ça marche très bien. Là où, effectivement, on n'a pas poussé très loin la logique de la LOPMI et la logique de la départementalisation. Donc les choses sont beaucoup moins clair, en tout cas beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. Et puis, dernier point, il y a quand même des éléments dans l'expérimentation qui sont finalement d'ores et déjà très négatifs. François Molins, qu'on peut difficilement soupçonner d'être de parti pris, qui est un grand personnage de l'État, du système, de la justice, qui constate, je vous laisse libre de vos ricanements, mais enfin quand même. Et François Molins, qui indique bien que dans les départements où la réforme est expérimentée, la lutte contre la délinquance financière a été, je cite, abandonnée. Donc, dernier point, Monsieur le Président, puisque les autres ont eu 3 minutes 22, c'est sur la question de la formation, dont on voit bien qu'elle réémerge de manière très importante, la question de la formation des policiers, qui a été un élément et un pan entier très fort de nos débats au moment de la LOPMI. Merci. Monsieur Philippe Pradal. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe bien sûr aux propos de nos collègues qui ont salué la qualité du travail et la qualité du rapport dont la lecture nocturne n'a pas atténué le plaisir d'en prendre connaissance. D'abord, que l'occasion soit donnée par cette prise de parole de soutenir tous les policiers, puisque je crois qu'il y a eu par endroit dans le rapport la volonté de créer, non pas une distinction, mais de mettre en regard les policiers en tenue et les policiers en civil. Je crois qu'il y a aussi dans ce rapport le goût, l'appétence de participer à une maison commune avec des tâches bien réparties. Et ça me paraît être un point important qu'il ne faut peut-être pas casser. Donc, le sujet de la présence des policiers sur la voie publique et les conséquences que ça a en police judiciaire ne doivent pas conduire à opposer policiers en tenue et policiers en civil ou policiers de police judiciaire et les autres. La référence aux brigades du Tigre, elle est plaisante, elle est historique et elle est pour certains télévisuelle, mais je crois qu'elle ne peut pas être totémique. Nous devons aussi comprendre les nécessaires évolutions auxquelles la police judiciaire a d'abord fait face depuis un certain nombre d'années et doit encore faire face. Et d'ailleurs, dans cette mission d'information, dans ce rapport, on voit bien quand même qu'il y a un souhait de faire évoluer un certain nombre de choses, qu'il y a une nécessité de faire évoluer. Notre groupe, sur la base des recommandations, qu'elles soient communes ou de chacune des rapporteurs et qui ont été prises avec attention, perçoit le devoir d'exercer une vigilance
sur les moyens qui seront consacrés à la police judiciaire. Je crois que la LOPMI a déjà apporté un certain nombre de réponses, mais c'est un effort qu'il faudra maintenir, c'est un effort qu'il faudra poursuivre. Et donc, nous exercerons une vigilance bienveillante sur la correcte allocation des moyens à la police judiciaire et au-delà des moyens financiers, aussi une correcte allocation des moyens en termes de procédure, des moyens en termes d'organisation, parce qu'on voit bien que beaucoup de points demandés relèvent en fait d'une bonne organisation, d'une bonne pratique. Et ce n'est pas forcément un rejet de la nouvelle organisation qui est en cause, mais c'est plutôt une inquiétude qui pourrait être dissipée par des précisions qui seront apportées pour continuer à lutter comme il se doit sur tous les types de délinquance. Enfin, en dehors de ce rapport, mais par allusion, il est également évoqué le fait que l'évolution de la procédure pénale est certainement un élément porteur d'amélioration du travail de la police judiciaire. Je pense que là aussi, même si ce n'est pas strictement dans le périmètre de cette mission, il me semble avoir lu un certain nombre de recommandations ouvrant cette possibilité, là aussi, que nous suivrons avec vigilance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur David Riemann. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Donc, idéalement, je remercie le travail du groupe d'analyse et de Marie Guévenoux. Donc, effectivement, un rapport dense, très intéressant. Mais là, grâce à ce rapport-là, on a pu déceler un certain nombre de choses. Donc, déjà, par rapport à la LOPMI, on avait pointé du doigt. Effectivement, on avait salué les moyens supplémentaires mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur pour nos gardiens de la paix. Mais néanmoins, on estimait que les efforts n'étaient pas mis au bon endroit. Donc, concernant cette réforme de la police judiciaire, il y a eu plusieurs rapports. Il y a eu le rapport du sénateur Philippe Dominati. Il y a eu la mission inter-inspection qui évalue le résultat de l'expérimentation de la réforme. Ensuite, il y a eu aussi le rapport d'inspection générale de l'administration de la police et de la justice. Donc, plusieurs observations. Et je fais exprès de pointer du doigt là-dessus parce qu'à l'issue de ce rapport-là, les ministres ont dit en gros que bon, tout allait bien, c'était nickel, c'était super. Sauf que lorsqu'on lit entre les lignes par rapport à ces expérimentations-là, on voit qu'il n'y a que quelque chose qui ne vont pas très bien. Par exemple, on voit qu'on, lorsqu'ils ont fait l'expérimentation en Outre-mer, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Martinique, on voit bien qu'il y a eu une baisse de la qualité du traitement des procédures complexes. Par exemple, pareil, en Guyane, est-ce qu'ils ont mis l'expérimentation aussi? Jusqu'à aujourd'hui, j'avais demandé au ministre de nous faire un retour ce que ça avait donné. On n'a aucun élément sur ce que ça a donné cette expérimentation en Guyane, par exemple. Donc, on sent bien que finalement, lorsqu'il faut faire des expérimentations chez nous, ça va bien. Lorsqu'il faut donner effectivement les vrais effets, on n'a pas forcément de retour. Donc, face à ces écueils répétés, lorsqu'on discute avec les collègues de l'APJ, ils nous disent bien qu'en fait, le problème qu'ils ont, c'est le problème de moyens. Ils sont utilisés à faire tout, entre guillemets, n'importe quoi, et on ne les laisse pas être de leur filière spécifique et d'excellence pour mener à bien. Par exemple, en Guyane, on a plusieurs homicides qui ont été commis depuis le début de l'année, et sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les auteurs jusqu'à maintenant, dans la mesure où il manque de moyens criants pour la police judiciaire. Donc, à mon sens, cette volonté de départementaliser la police judiciaire, on l'avait déjà dit hein, par rapport à la LOPMI, c'est une erreur fondamentale. On avait plutôt demandé à axer les efforts pour remettre en place une police de proximité qui aille dans les quartiers et fasse ce lien important entre la population et les gardiens de la paix. Et ensuite, donner les moyens supplémentaires et nécessaires à la police judiciaire, tant en être humain, je veux dire, et en matériel, pour faire face à un certain nombre d'obligations. Donc, sans être trop long, pour une réforme qui ne pose pas de problème, ça n'existe pas, mais le passage en force de celle-ci n'est certainement pas la méthode qu'il convient d'adopter. Alors que des mouvements de contestation secouent la police judiciaire, tout l'automne, et qu'on sent bien, avec ce qui se passe par exemple à Angers, Perpignan, à Toulouse, en ce moment, que la colère est toujours très présente. Merci, Président. Merci, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, pour vos réponses à ces questions. Merci, Monsieur le Président. On va essayer d'être le plus efficace possible dans les réponses. Alors, d'abord, répondre aux questions du collègue Didier Paris finalement, est-ce que la départementalisation conduit mécaniquement à une augmentation des prérogatives du pouvoir du préfet au détriment de l'autorité judiciaire ? Vous dire le sentiment, quand on a fait nos auditions, il y a des départements où l'expérimentation a à peine été juste l'objet de réunions de travail et n'a pas été mise en œuvre.
Et pourtant, les magistrats qu'on a vus dans ces déplacements pointaient déjà du doigt, aujourd'hui, le difficile positionnement qui est le leur, notamment côté parquet, sur la conduite de la politique pénale. C'est actuel, c'est même pas du fait de la réforme, du fait de l'expérimentation. Actuellement, il y a un sujet sur qui conduit la politique pénale dans le pays. Quand, je vous donne des exemples, mais quand il y a le ministre de l'Intérieur dit « cette semaine, c'est dispositif de lutte anti-rodéo », les procureurs dans leur territoire, ils exécutent en fait, en réalité. Et ce n'est pas une instruction qui leur vient côté ministère de la Justice. C'est un des exemples qui est le plus emblématique et visible, et qui ne porte pas, d'ailleurs, tout le monde est d'accord pour dire « ok, il y a un problème avec les rodéos », mais donc ce n'est pas un sujet polémique en soi, mais ça se décline plus largement. Et pourtant, il y a déjà actuellement des réunions hebdomadaires entre les préfets et l'autorité judiciaire, et eux-mêmes déplorent régulièrement d'apprendre quels sont les objectifs qui sont assignés aux policiers du secteur sur lequel ils ont peu de prise. Et ils disent « aujourd'hui, la PJ pour nous, côté magistrat, hein, côté autorité judiciaire, c'est un peu... je ne vais pas dire que c'est Astérix et Obélix dans leur coin, le village gaulois qui est sanctuarisé, mais c'est un peu ça quand même. De se dire, voilà, au moins on sait qu'eux, ils sont sur un type, un spectre de délinquance qui ne subit pas les fluctuations des aléas politiques, et je ne dis pas ça péjorativement, je veux dire, mais en tout cas de ce que peut imposer l'ordre public et l'urgence. Et quand vous mettez un chef unique de l'ensemble des filières directement rattaché à l'autorité préfectorale, mécaniquement, c'est même pas un procès d'intention, c'est logique. Le préfet, lui, et le DDPN, ce qu'ils ont à traiter d'abord, c'est ce qui est le plus urgent. C'est tautologique quand je dis ça. Et évidemment, ce qui est le plus urgent, c'est l'ordre public. D'ailleurs, dans les Outre-mer, ils ont remarqué qu'il était très appréciable d'avoir l'ensemble des forces à leur disposition pour avoir à gérer des situations de crise. Quelles sont les situations de crise ? Des problématiques d'ordre public liées à des mobilisations sociales, des manifestations, etc. Et donc c'est bien ça, la problématique auquel il faut pouvoir répondre. Et jusqu'à présent, la PJ pouvait ponctuellement participer à ces problématiques d'ordre public parce qu'ils font partie de la maison police, mais quand même, s'ils avaient envie de dire « bah non, on n'y va pas, on reste sur nos prérogatives et sur nos missions et sur nos enquêtes de long cours », ils avaient la capacité, la possibilité et la chaîne hiérarchique, l'autorité, c'est ça qui est important, pour le faire. Deuxième point, on a vu que, d'ailleurs, les départements où effectivement les retours sont bons, sont des départements d'expérimentation, je pense à la Savoie et à l'Oise notamment, sont des départements où le DPN, le directeur départemental de la police nationale expérimentateur, nous dit « mais moi je ne m'occupe pas de la PJ, je laisse mon chef de filière PJ s'en occuper ». Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de m'en occuper, ce qui est une vérité. Mais en même temps, rien ne nous garantit, et c'est pour ça qu'on a été, c'était l'intérêt aussi de notre mission, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on était prescripteurs, nous sommes prescripteurs dans nos rendus pour dire attention, monsieur le ministre, attention à ce que vous allez inscrire dans les doctrines, parce qu'il ne faudrait pas qu'un directeur départemental de la police ait le loisir de pouvoir détourner les moyens de police judiciaire de ces enjeux démocratiques que constitue la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance économique et financière, etc. Et c'est aussi pour ça que le niveau zonal a été investigué. Et c'est intéressant parce que, finalement, les SRPJ n'existent déjà plus. Et c'est dire qu'en fait, il y a des réformes très régulières qui sont menées au sein de l'organisation policière, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, il n'y a plus que des directions zonales de police judiciaire. La zone est déjà l'échelle d'organisation de la police judiciaire avec ses antennes. Puisque les SRPJ ont été regroupés, il y a eu des directions interdépartementales d'ailleurs, il y a eu plusieurs dénominations, mais aujourd'hui c'est la zone. Et donc oui, les directions interdépartementales ciblent dans les annonces actuellement du ministre, dans la mise en œuvre de la réforme, n'ont rien à voir avec la zone, puisqu'il peut y avoir plusieurs services interdépartementaux dans une même zone de défense. Puisque vous avez des zones de défense, notamment sud, sud-ouest, où vous avez plus d'une dizaine de départements dans une même zone, et donc plusieurs antennes actuellement. Et ça en vient à dire que finalement, le bon sens finit par l'emporter, et plutôt, je dirais même, l'efficacité opérationnelle finit par l'emporter dans la réflexion, puisqu'on finit par se dire, en fait, on ne peut pas départementaliser. Partout, ça n'a pas de sens, puisque la délinquance n'est pas organisée à l'échelle départementale. Donc on est dans un entre-deux, là, où par les alertes qui ont été faites du terrain, et ce qu'on a évoqué dans l'émission, etc., on finit par en rabattre logiquement pour des histoires d'efficacité sur le totem, pour reprendre des mots qui ont été employés, du département en tant que tel.
Idem pour la police aux frontières, on a assez peu évoqué, mais il y aura aussi des services interdépartementaux de police aux frontières, parce que la logique, ce n'est pas le département, c'est où sont placés les ports, où sont les aéroports, où sont les gares, où est la frontière en tant que telle, et que le département en tant que tel n'a pas forcément une logique opérationnelle et effective qui est pertinente. Je voulais faire son point là, parce qu'il est important. Je déroule sur la suite, sur la polyvalence versus la spécialisation, suite à l'intervention du collègue Rambaud. Oui, c'est un sujet, et moi, en tout cas, c'est l'analyse que je fais, c'est ce que font aussi un certain nombre de chercheurs sur la réforme de 95, qui a supprimé le corps des enquêteurs et des inspecteurs, comme je disais tout à l'heure, qui a conduit notamment sur le périmètre de l'investigation en sécurité publique à une dilution des savoirs, des spécialisations et des compétences. Et à ça s'est ajouté le leitmotiv politique de dire « il faut plus de bleu sur la voie publique ». Je m'attarde un peu là-dessus parce que je sais que le ministre a répondu ça à la question au gouvernement tout à l'heure qui a été posée par Marie Guévenoux, de dire oui, attention, il ne faudrait pas qu'en mettant plus de bleu sur la voie publique, on engorge à nouveau les enquêteurs. Je vous alerte sur le fait que c'est quand même l'objectif politique assigné par le ministre dans le cadre de la LOPMI, plus 50% de bleu sur le terrain, et qu'on va devant de nouvelles problématiques et qu'effectivement, les préconisations qui sont faites en disant attention, il faut un rééquilibrage dans le cadre de ce qui a été décidé sur la LOPMI, entre ce qui ira à l'investigation et ce qui est à l'ordre public en général, je mets ça dans un grand chapeau, c'est pas une petite recommandation, c'est extrêmement important et on la partage ensemble, à des degrés divers, mais on la partage ensemble en tout cas en tant que co-rapporteur. Et c'est là, pour reprendre la suite du fil, la question du collègue Andy Carbrat, sur, pareil, petite délinquance, ordre public, est-ce que c'est pas ça qui va happer mécaniquement le reste des services et notamment de la police judiciaire? Et donc, du coup, on finit par se dire il faut absolument des indicateurs pour sanctuariser les moyens de lutte contre la criminalité organisée. Et donc, le département n'est pas pertinent en ce sens. Enfin, c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet. Donc, ça me semble extrêmement important. Les questions qui ont été posées par le collègue Roger Vicot recoupent les éléments que je viens d'indiquer, notamment sur la question des silos, parce qu'effectivement, les services travaillent déjà ensemble. Enfin, je veux dire, on peut tordre le bâton dans un sens en disant « oui, personne ne se parle, c'est des silos, c'est cloisonné, les tuyaux d'orgue, etc. » Bon, c'est pas vrai. Tout le monde se parle tout le temps et toutes les coopérations sont pures et parfaites. C'est pas vrai non plus. Voilà, faut dire la réalité. D'où la mise en place de cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, les CROSS, qui ont permis de décloisonner, mais par des approches thématiques. Et pareil, là, c'est pas le département qui a primé. C'est pas le sujet, en fait. Ça dépend des échelles, ça dépend des endroits, ça dépend des bassins de délinquance. Et c'est à ça qu'il faut coller, et c'est à ça que l'organisation doit coller. Et c'était ça qui a été consubstantiel. Je ne fais pas un totem de la création des brigades d'utilité et de la PJ, mais en tout cas d'un apport à la française, d'une doctrine, d'une logique qui a été de dire on organise la police judiciaire en fonction de ses objectifs d'efficacité, de lutte contre la criminalité organisée, qui s'en fiche des carcans administratifs. Voilà, c'est ça et c'est ça qu'il faut garder, cet esprit-là qu'il faut garder, parce que c'est ça qui rend la police judiciaire, qui en fait aujourd'hui une police judiciaire efficace, malgré sa faiblesse de moyens. Et clairement, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais la lutte contre la délinquance économique et financière était déjà un problème aujourd'hui, un angle mort. Vous savez que j'ai rendu 2 rapports sur le sujet avec le collègue Jacques Maire dans la mandature précédente, et que la départementalisation ne va rien changer à ça. Et même, au regard des priorités qui sont affichées, notamment sur la lutte contre les violences intrafamiliales et les enquêtes qui vont avec, font qu'on se détourne encore là-dessus. Même en Savoie, où l'expérimentation se passe bien, le procureur nous dit bah, « ça se passe bien, mais j'ai demandé à ce qu'on augmente les moyens de saisie et de confiscation et de lutte contre les réseaux de blanchiment, mais surtout les réseaux de lutte contre le blanchiment. » Et ils ont timidement créé un service rattaché à la PIAC, j'ai pourtant une excellente connaissance de tous les sigles de la police, mais là je sèche A et C, c'est avoir criminel à la fin, mais j'ai plus le début, mais en tout cas de ces services qui investiguent là-dessus, mais pas sur le blanchiment en tant que tel, et pourtant le procureur dit c'est une priorité de politique pénale qu'il a définie lui au service de police. Et on recoupe ce que je vous ai dit au début sur le fait que les procureurs aujourd'hui se sentent démunis et demain davantage parce qu'ils auront en face d'eux un chef qui aura encore plus de moyens, encore plus concentré et donc avec une asymétrie dans le rapport de force qui s'exerce entre l'autorité judiciaire et l'autorité policière, si on peut l'appeler, ainsi. Mais c'est sûr que le fait d'avoir une maison commune, d'identité commune, a été un des points appréciables des expérimentations.
C'est dans l'Hérault, à Montpellier. Je raconte ça parce que ça peut paraître risible, mais en fait, c'est très évocateur. Ils nous disaient que dans le cadre des réflexions qu'ils avaient eues, alors qu'ils n'ont pas mené l'expérimentation, hein, ils ont été juste au stade de la réflexion, ils ont ouvert une porte coupe-feu qui était dans un couloir de la direction. D'un côté, il y avait la direction départementale de sécurité publique, et de l'autre côté, il y avait la direction départementale de la police aux frontières. Et donc, pour la première fois, les gens se croisaient dans les couloirs et ont pu échanger. Et ils ont fait des réunions de travail pour savoir ce qu'ils pouvaient mettre en commun. Et c'est ceux de la police aux frontières qui disaient, mais en fait, on a expliqué à nos collègues ce qu'on faisait au quotidien, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on faisait. Ils ne connaissaient pas notre métier et notre quotidien. Donc, c'est pas moi qui vais dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la communication, de l'harmonisation. Et c'est nécessaire. Mais est-ce qu'il faut absolument le mettre dans le carcan départemental et absolument avec un chef unique? Je ne suis pas sûr. Il y a des modèles de coopération et de coordination qui ont fait aussi leurs preuves, sans pour autant gommer les spécificités qui ne sont pas juste des spécificités, qui sont des spécialités, des spécialisations qui sont le corollaire de l'efficacité de la lutte contre différentes formes de délinquance et surtout de criminalité. Et je terminerai sur la question des moyens. Effectivement, il y a une nécessité de mettre davantage de moyens. On a évoqué aussi la formation. Et là, pour le coup, ce qu'on a décidé dans le cadre de la LOPMI est assez... il n'y a pas de détails. Voilà. Il y a eu des interpellations, il y a eu des prises de position générales. Et nos rapports, et c'est là aussi c'est déterminant, sont une invitation à ce que clairement on soit à la hauteur de ça. On reprend dans les préconisations communes la question de la création d'une académie de l'enquête, c'est-à-dire d'un service au sein de la police nationale de formation spécialisée sur la question de l'enquête qui puisse irriguer les différents services et différents fonctionnaires de police en fonction de leur direction d'emploi ou de leur filière ou de leurs prérogatives concrètes pour qu'on ait ce savoir qui soit concentré, organisé et efficacement déployé sur tout le territoire. Après, vous savez, dans les Outre-mer, par exemple, pour revenir sur les questionnements de mon collègue David Riemann, ça a fonctionné. Il y a des endroits où on a dit c'est vachement bien, la DTPN fonctionne mieux. Mais parce qu'auparavant, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez 6, 7 ou 8 fonctionnaires rattachés fonctionnellement et hiérarchiquement à la direction centrale de la police judiciaire, mais en fait à Paris, à l'Hexagone, qui étaient eux-mêmes esselés et qui n'étaient pas dans un collectif humain avec leurs autres collègues de la police, localement présents. Alors à 6, 8, qu'est-ce que vous voulez faire d'efficace? Donc eux, ils ont vu un côté appréciable à être dans la même entité et à pouvoir discuter avec leurs autres collègues, d'avoir besoin d'avoir une voiture, de l'avoir. Mais ça, vu d'aujourd'hui, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'avant, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour discuter ensemble? Ils sont dans le même ministère. Et là, ça revient au pilotage aussi général et de la gouvernance du directeur général de la police nationale. Voilà. Est-ce que pour autant, il faut gommer les spécificités et les spécialisations? C'est le cœur, le nerf. Et je terminerai en vous disant que sur le niveau zonal, là où c'est très dommage, c'est qu'aujourd'hui, nos missions, les inspections, le ministre investissent tous le niveau zonal en disant peut-être que c'est l'endroit où on va pouvoir déverrouiller les différentes problématiques qui ont été soulevées, mais on n'a nulle part expérimenté complètement une zone. Donc en fait, on réfléchit sur papier. Donc tout ça amène à une certaine forme de prudence, y compris dans le déploiement à venir de la réforme. C'est pour ça que moi, je préconise après les JO, parce que là, on est en train de précipiter les choses. Et je comprends la nasse dans laquelle se trouve le ministre en disant il faut que j'accélère parce que sinon, ce sera trop tard pour les JO. Mais en même temps, je crois que c'est trop précipité. C'est le sens aussi des mobilisations qui ont eu lieu hier, en disant urgence, il est urgent d'attendre et de continuer à travailler, pas de commencer à réfléchir. Je pense que la réflexion est déjà bien aboutie, mais il y a besoin de la déclinaison opérationnelle et concrète de toutes ces réformes pour qu'elles soient un succès, même si moi, vous le savez, voilà, pour qu'il y ait la filière judiciaire complètement séparée, je suis même pour qu'elle soit rattachée à l'autorité judiciaire en définitive, et que c'est là le maximal de ce qu'on pourrait avoir de garantie démocratique. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Paris, vous avez raison, c'était une matière assez complexe. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les administrateurs de la Commission qui nous ont beaucoup aidés à rendre les choses beaucoup plus claires. Donc merci à eux. J'avais oublié de le faire dans mon propos liminaire. C'est ainsi corrigé. Je pense qu'avec le co-rapporteur, on a des perceptions un peu différentes. On a des nuances qui s'expriment, donc je vais essayer de compléter les propos et puis voilà, donner un point de vue qui est peut-être un petit peu différent que celui du gouvernalicis. Monsieur Rambeau, vous évoquez en fait
une réforme systémique. Vous dites, en fait, ce n'est pas une petite réforme, c'est une réforme systémique, ce que vous avez dit. Je crois qu'il faut être très clair, oui, c'est une grande réforme. Une réorganisation de la police nationale et en aucun cas de la seule police judiciaire. Ça a souvent été, dans le cadre des auditions qu'on a pu mener, dans le cadre du travail notamment relayé par les journalistes, on a souvent eu la focale sur la police judiciaire, alors même que c'est bien l'ensemble de la police nationale qui est concernée par la réorganisation. Je pense que ça, c'est important de se le dire. Je trouve que vous avez également dit que, au fond, il y avait un problème de lisibilité. Moi, je crois qu'il faut être très clair. Au début, quand la réorganisation est lancée, il y a effectivement des maladresses, à tout le moins, dans l'exposé de la réforme, donc, qui font que les choses ont été probablement mal comprises, ou visiblement mal comprises. Moi, de mon point de vue, à la lumière des auditions qu'on a menées, des déplacements de terrain qu'on a fait, il n'a jamais été question, en tout cas c'est ma perception, de départementalisation totale. Je m'explique. Il n'a jamais été question d'avoir un département dans lequel un officier de police judiciaire appelé à travailler sur une enquête qui l'amènerait dans un département d'à côté ne puisse pas sortir de ce département. Voilà, juste. Donc la départementalisation totale, il y a eu une unité de commandement, une unicité, mais il n'y a pas eu cette espèce de concrétisation des frontières administratives du département qui se serait imposée dans l'organisation humaine. Voilà. Et donc ce n'est toujours pas le cas. Voilà. La deuxième chose sur la polyvalence à outrance. Là aussi, je pense qu'il y a une question de perception. Il n'est pas question d'utiliser des enquêteurs qui travaillent sur de la criminalité complexe de très haut niveau sur des affaires, je voyais dans le rapport Dominatique qui a été cité, de vol de vélo. Ce serait évidemment un non-sens et une mauvaise utilisation humaine. En revanche, et les expérimentations le prouvent, il y a un partage des connaissances et des compétences au sein de la police qui est mieux permis dans le cadre des expérimentations qui ont été menées. Par exemple, la PAF forme à mutualiser ses connaissances sur le traitement d'étrangers en situation irrégulière et de la fausse documentation, et elle a pu mutualiser ses connaissances avec la police judiciaire. De la même façon, ce que l'on a pu observer, c'est que des enquêteurs de services de la sécurité publique avaient pu partager des connaissances terrain avec la police judiciaire. Et on a aussi pu observer que la police judiciaire, qui a acquis une grande technicité, notamment sur un certain nombre de choses, mais en particulier sur les avoirs criminels, avait pu, là aussi, faire bénéficier ses autres collègues de sécurité publique de ses connaissances. Donc, vous voyez, moi, je ne parlerai pas de polyvalence, mais plutôt de mutualisation, de partage des connaissances, et ce qui est également relevé par les expérimentations. Vous évoquez également l'autorité fonctionnelle multiple. Dit comme ça, ça paraît effectivement très compliqué. La réalité, c'est que, et en tout cas moi, c'est ce que je recommande, et je crois que c'est ce qui est demandé, enfin, je crois, je suis sûr, c'est aussi ce qui est demandé par les magistrats, que les directeurs départementaux de police nationale, et en ce qui me concerne les DZPN, soient doublement évalués par l'autorité préfectorale et par l'autorité judiciaire. Ce n'est pas une autorité fonctionnelle multiple, c'est en fait assez simple. Ce qui ressort de l'ordre public, c'est le préfet, et ce qui ressort du judiciaire, c'est l'autorité judiciaire. Voilà. Andy Kerba, vous disiez un peu la même chose sur la polyvalence des agents, et du coup, je pense à vous avoir répondu. Sur la petite délinquance qui deviendrait prioritaire, d'abord, on avait fait en sorte, dans le cadre du débat LOPMI, de bien redire que, et c'était un engagement que le ministre a pris, il a repris tout à l'heure, que les hommes et les femmes de la police judiciaire qui travaillent sur un niveau de criminalité complexe ou de criminalité organisée ne seront pas déviés sur des missions de sécurité du quotidien.
Donc la priorisation ne concernera pas ces hommes et ces femmes. Donc voilà, comme elle ne les concerne déjà pas aujourd'hui. De la même façon, dans les propositions que j'émets, j'encourage le ministère à renforcer les moyens, un tiers de la LOPMI sur la filière judiciaire, et je prévois, mais ce qu'on avait également fait voter dans le cadre de la LOPMI, une sanctuarisation des moyens dédiés à cette criminalité complexe, et dans lequel je flèche, pour répondre à ceux qui l'ont évoqué, la criminalité économique et financière, en particulier. Donc voilà. La PJ va rendre des comptes au préfet à Beauvau, pour reprendre votre expression. Non, elle ne va pas rendre des comptes au préfet et à Beauvau. Elle rendra des comptes, comme le prévoit la loi, à l'autorité judiciaire. Collègue Vico, vous dites le fonctionnement en silo est battu en brèche par tout le monde. C'est pas vrai. Factuellement, c'est faux. Il y a des gens qui le contestent, hein, vraiment, qui disent que non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais il y a aussi une part non négligeable, et je ne saurais pas vous dire si elle est majoritaire, etc., mais il y a une part non négligeable de gens qui considèrent, de policiers en particulier, qui considèrent qu'il y a un fonctionnement en silo. Et je trouve que l'exemple qui a été donné par le co-rapporteur Hugo Bernalicis en héros sur la porte coupe-feu est en réalité très parlant. C'est-à-dire que quand vous avez mené, et c'était assez sidérant pour nous, hein, enfin en tout cas pour moi, quand on a mené les auditions et les déplacements de terrain, eh ben, y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit bah, « En fait, on n'aurait pas ouvert cette porte coupe-feu, donc je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être un autre, si on ne nous avait pas obligés à expérimenter. » Et donc, ils reconnaissent une expérimentation en silo. Et donc, cette expérimentation en silo, elle amène à un chevauchement parfois des compétences. Elle amène aussi parfois à une enquête, à une équipe A qui se rend compte qu'il y a une équipe B qui travaille sur le même sujet. Et c'est ça que l'on souhaite éviter. Voilà. Sur les expérimentations ne sont pas particulièrement positives, c'est pas vrai. Là encore, je suis obligée de dire que c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des territoires où l'expérimentation n'a pas eu lieu. Et donc là, c'est très frustrant, parce qu'on voilà, ne sait pas si c'est... Elle n'a pas eu lieu, donc au fond, c'est une forme d'échec qu'elle n'ait pas eu lieu, l'expérimentation. Ça, c'est vrai. Mais là où elle a eu lieu, c'est plutôt positif. Ensuite, vous dites que les endroits où elle a eu lieu, cette expérimentation, l'autorité hiérarchique entre le DDPN et le chef PJ n'a pas été utilisée. Ça, c'est pas vrai non plus. Ils s'entendent bien, c'est vrai. Ils s'entendent bien. C'est dans le rapport, c'est dans la conclusion du co-rapporteur. On ne partage pas la même perception. C'est vrai qu'ils s'entendent bien, ça on l'a noté. On a noté aussi que les DDPN, c'est vrai que s'ils ne s'entendaient pas, c'est un problème. Mais en l'occurrence, ils s'entendent bien. Les DDPN qui ont réussi à mener cette expérimentation, ce qu'on peut noter aussi, je pense que c'est important, on l'a mis dans le rapport, ils ont des qualités de manager, des qualités RH très fortes, des qualités de communication. Donc ça, je pense que c'est dans le choix des profils qui devront être choisis par le ministère de l'Intérieur pour occuper ces fonctions. Je pense que cette dimension-là, elle sera particulièrement importante. La lutte contre la délinquance financière est abandonnée. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la réorganisation en tant que telle. Le co-rapporteur vous avait répondu. Mais là aussi, dans les recommandations que nous formulons, et que je crois que nous avons en commun, il me semble, là-dessus, on propose une sanctuarisation des moyens, une direction en direction de l'économie, de la délinquance économique et financière. Monsieur David Riemann, bon, je crois que j'ai répondu à beaucoup de vos observations par le biais des autres réponses que j'apportais aux collègues. Juste pour vous dire que la baisse, vous évoquez une baisse de la qualité des procédures en Guyane. Je vous renvoie à la page. Ah, vous aviez dit Guyane. Donc, du coup, voilà. Alors, en tout cas, en Guyane, je vous renvoie à la page 101 du rapport, où vous verrez au contraire l'évolution du taux d'élucidation. Enregistre des augmentations très significatives en Guyane, à la fois sur les atteintes volontaires à l'intégrité physique, aux atteintes aux biens,
aux infractions économiques et financières, à la grande criminalité, un peu moins à l'atteinte à la tranquillité publique et les infractions à la réglementation. Voilà. Donc ça va plutôt sur ces territoires expérimentaux vers une amélioration du taux d'élucidation de façon significative. Monsieur Paris, vous nous avez interrogé sur le fait que est-ce qu'il va y avoir la mainmise du préfet sur l'autorité judiciaire. Pardon, je caricature peut-être votre propos. je m'en excuse. En tout cas, non, le DDPN ne va pas être sous la tutelle et la mainmise du préfet. Le ministre a tout à l'heure répondu dans le cadre des questions au gouvernement qu'il reconfirmait son engagement à une double évaluation. Et donc, comme je le disais, il y a un pan ordre public qui dépendra du préfet, puis un pan judiciaire qui dépendra de l'autorité judiciaire. Sur l'organisation interdépartementale et zonale, le co-rapporteur vous a répondu. Il y a une direction nationale qui animera la filière, une direction zonale qui pilotera avec un rattachement opérationnel sur les affaires de probité. Hein, c'est ce qu'on avait notamment adopté dans le cadre de la LOPMI. Et puis, une direction opérationnelle qui est celle du département. Et puis, il reste les offices centraux, puisque là aussi, le ministre s'est engagé dans le cadre de la LOPMI à conserver la cartographie et les offices. Enfin, monsieur Philippe Pradal, je crois que vous avez dit quelque chose d'extrêmement juste, c'est-à-dire qu'au fond, il fallait arrêter d'avoir la tentation de mettre en regard les policiers en tenue et la police judiciaire. Je crois que c'est non seulement la volonté, probablement l'esprit de la réorganisation, je crois que c'est aussi répondre aux aspirations des policiers eux-mêmes, qui, au fond, quel que soit leur corps en tenue ou en judiciaire, font un métier difficile et savent au fond qu'ils peuvent s'enrichir de l'expérience des uns et des autres. Et je crois que c'est ce à quoi on doit s'atteler tous ici, de faire bien attention à ce que quand on répond, moi je dis ça, je l'ai ressenti, quand on répond à la police judiciaire, on peut parfois donner le sentiment, alors que c'est évidemment pas notre volonté, qu'on se préoccupe peu des hommes de la sécurité publique. Et je pense que voilà, il faut redire tout le soutien que l'on a à l'ensemble de la police et pas procéder par catégorie. Moi, je partage votre point de vigilance sur les moyens, et je pense que c'est le cas d'ailleurs des collègues qui sont ici. Donc, les moyens qui seront apportés à la PJ. Je le redis, moi, je considère qu'une bonne recommandation, c'est un tiers des moyens de l'OPMI sur la filière judiciaire. C'est aussi un taux d'encadrement qui, en 2027, pourrait être à 30% d'encadrement. C'est aussi, vous l'avez dit, un engagement à simplifier la procédure pénale. Et on a amorcé le mouvement avec la LOPMI. Il y aura maintenant les états généraux de la justice. Et en fait, la procédure pénale ne fait pas partie de la mission, mais elle a été évoquée systématiquement par l'ensemble des policiers que nous avons reçus et comme étant la cause quasi principale du manque d'attractivité, de la crise de la filière judiciaire. Merci. Alors, c'est pas terminé, j'ai encore deux questions. Madame Émilie Chandler. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, le 12 octobre dernier, vous avez débuté les auditions sur la réforme de la police judiciaire et cette réforme a connu beaucoup de commentaires, notamment de la part des forces de l'ordre concernées. Et je pense qu'aucun d'entre nous n'a échappé à quelques mails ainsi que quelques articles dans la presse sur le sujet. La semaine dernière, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale de la justice ainsi que l'inspection générale de la police nationale ont rendu un rapport à la demande du ministère de l'Intérieur et du Garde et ont pu constater une meilleure circulation de l'information et donc une meilleure d'informations sur l'ensemble de la situation territoriale. Je conduis actuellement une mission à la demande de la Première ministre sur les violences intrafamiliales et au cours de celle-ci, j'ai pu constater que l'information, c'est la clé. La clé de la réponse aux délits, aux crimes, et c'est cette circulation de l'information
que permet la réforme. Certes, des efforts sont à faire, notamment au regard des ressources humaines. C'est un sujet que nous connaissons tous de longue date. Cette gestion des ressources humaines est essentielle et c'est pour cela que le 24 janvier, la LOPMI a été promulguée avec notamment une volonté de faire un effort sur les recrutements pour les forces de l'ordre. Plus de forces de l'ordre, essentiellement sur le terrain, c'est une meilleure circulation de l'information, meilleure transmission de l'information. C'est donc plus de sécurité pour nos forces de l'ordre, pour l'ensemble de tous. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, ma question est simple et concerne la mission sur les violences intrafamiliales. Comment les engagements que nous avons pris dans le cadre de la LOPMI ont-ils été pris en compte dans votre rapport, notamment sur l'importance de plus d'effectifs au plus près du terrain et ainsi de disposer de plus d'informations? Je vous remercie. Madame Cécile Demeyer. Merci, monsieur le président. Merci aux rapporteurs et co-rapporteurs de l'importance de cette mission, parce que effectivement, la LOPMI a suscité beaucoup d'inquiétudes et elle suscite toujours beaucoup d'inquiétudes chez les magistrats et en particulier chez les procureurs et les procureurs généraux qui ne sont pas systématiquement opposés au changement. Ce sont même souvent des magistrats très modernes et soucieux de l'efficacité de la justice. Moi, j'ai le sentiment quand même que cette grande réforme de la police, elle se fait sans la justice. C'est l'expression d'une autorité, celle du ministre de l'Intérieur et donc des préfets sur les territoires. Et c'est ce qui inquiète les procureurs généraux. Donc, j'ai bien compris votre réponse aux inquiétudes. C'est la sanctuarisation des crédits. C'est une chose importante, mais cette garantie de sanctuarisation dans le temps, elle est quand même très difficile. Donc, je pense qu'elle n'est pas suffisante pour rassurer ces procureurs généraux et procureurs qui sont dans le souci d'une indépendance et qui font valoir que le DDPN pourra toujours opposer sa maîtrise des moyens pour contraindre les procureurs à saisir le service de son choix, le choix du DDPN. Et la deuxième interrogation que j'ai, c'est par rapport au secret de l'instruction, parce que lorsqu'on ouvre les vannes, le secret de l'instruction, qui est déjà un scandale en soi, puisqu'on le voit fuiter régulièrement dans des affaires dans lesquelles on ne le voudrait pas, c'est un problème aussi. Donc on a le problème du secret de l'instruction, on a le problème aussi de l'attractivité de la police judiciaire, qui passe bien sûr par la question des procédures, mais je ne crois pas seulement. Je pense qu'il y a d'autres voies pour l'attractivité que de dire que la procédure pénale serait la cause du désintérêt de la police judiciaire. Et là encore, on voit à quel point le dialogue a été déséquilibré du fait même que la chancellerie ne soit pas au cœur du sujet. Je pense que si on avait mis également le ministre de la Justice au cœur de notre réflexion pour porter la police judiciaire et défendre aussi le rôle du procureur, eh bien, on aurait sans doute obtenu un dispositif beaucoup plus équilibré que celui que l'on a. Enfin, et j'abuse du temps, mais c'est terminé, j'ai assisté à l'audition sur la Savoie. Et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, autant le procureur général était partant, autant le procureur, finalement, sans s'en rendre compte, était beaucoup plus en réserve par rapport au dispositif. Et toutes deux ont dit qu'il fallait un DDPN d'une stature tout à fait incomparable. Enfin, il faut trouver un surhomme ou une surfemme pour pouvoir mener cette action dans le respect des uns et des autres. Et est-ce qu'une réforme peut peser sur la qualité exceptionnelle d'un DDPN qui serait en capacité, effectivement, de porter la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur? Bien, je n'ai pas d'autres inscrits, donc je redonne la parole à nos rapporteurs. Madame, monsieur le rapporteur? Madame la rapporteure. Oui, merci beaucoup de ces dernières questions. Madame Chandler, vous nous interrogez sur les effectifs au plus près du terrain et puis la bonne information. Avec la création de la filière judiciaire, vous aurez 23 000 hommes dans cette filière. Donc je pense que ça, c'est une première réponse. Et puis si jamais le 23 000 hommes et femmes, me fait remarquer le co-rapporteur, il a raison, et puis si le ministre venez à suivre les recommandations que je porte sur un tiers des moyens LOPMI, ce serait donc 460 millions qui viendraient s'ajouter à la création de cette filière. Donc c'est vraiment, de mon point de vue, c'est vraiment
On a eu un temps très fort avec la majorité à laquelle j'appartiens d'investissement auprès de la sécurité publique, parfois d'ailleurs un peu dénoncé par le fait qu'on mette du bleu en tenue. Mais là, c'est l'occasion, au fond, de pouvoir investir dans une filière judiciaire et d'enclencher ce mouvement. Et d'ailleurs, moi, je vois comme un signe très positif le fait que le ministre, tout à l'heure, dans sa question, ait parlé de cette balance. Voilà. Madame Untermaier, je vais essayer de vous répondre sur ce que je recommande comme garantie à l'autorité judiciaire. Vous avez raison, la première des garanties que l'on fixe, c'est la garantie des moyens. Alors, comment on garantit ces moyens dans le temps ? Ce qu'on préconise, c'est des indicateurs budgétaires réguliers, en exerçant notre mission de contrôle. Et puis, notre recommandation que l'on fait, il me semble, là aussi en commun, c'est que la commission des lois se saisisse dans 2 ans d'une mission d'information, à l'instar de celle-ci, qui reviendra sur le bilan de la mise en œuvre. Ensuite, sur le rappel du secret de l'instruction et le libre choix du service d'enquête, là aussi, on recommande, en commun toujours, que ce soit évidemment à nouveau précisé dans la doctrine et que ce soit bien réécrit autant que de nécessaire et également dans les guides de formation des DDPN. Vous avez raison de souligner le profil particulièrement impressionnant des DDPN que l'on a pu rencontrer et qui ont mené à bien la réforme, mais ça veut dire qu'ils existent, c'est surhomme, pour reprendre ce vocable. C'était pas des hommes, en l'occurrence. Et là, c'était des hommes. Enfin, sur la garantie aussi que l'on peut apporter à l'autorité judiciaire, je recommande également qu'un décret fasse la liste des catégories de services qui peuvent être saisies par l'autorité judiciaire. Enfin, comme la mission d'inspection, dans laquelle participait également le ministère de la Justice, donc il a été, cette mission d'inspection, elle a été à la fois, c'était une double mission d'inspection par le ministère de l'Intérieur et par le ministère de la Justice, elle recommande une double évaluation du DDPN. Je reprends cette évaluation, je vais même un peu plus loin, puisque moi je propose que le DZPN soit lui aussi doublement évalué par le préfet de zone de défense et puis par les procureurs du ressort. J'ai bien conscience que la zone n'est pas complètement la même, mais on devrait réussir à trouver une solution pour que l'autorité judiciaire soit capable de les évaluer. Voilà. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, pour répondre d'abord à la question de la collègue Chandler sur les violences intrafamiliales, effectivement, dans 100% des déplacements que nous avons faits et même dans la plupart des auditions, il nous a été indiqué que sur la filière judiciaire actuellement positionnée dans le périmètre de la sécurité publique, donc sûreté urbaine, sûreté départementale, qui s'occupe de la quasi-totalité des affaires de violences intrafamiliales, puisque souvent l'auteur est connu, parce que quand c'est plus complexe ou sériel, ça passe en PJ, mais en police judiciaire au sens des CPJ, mais c'est quand même le gros est traité par sûreté urbaine, sûreté départementale, que le problème n'est pas tant la circulation de l'information, mais je reviendrai après sur l'attention que vous attirez là-dessus, mais sur le temps tout court pour pouvoir recevoir les victimes, les écouter et mener des investigations derrière. Il faut bien comprendre que ces services-là, sûreté urbaine, sûreté départementale, sont ceux qui aujourd'hui croulent déjà sous les millions de plaintes, je pèse mes mots, mais c'est le chiffre, ça se compte en millions. Et quand vous avez des services les plus engorgés qui sont à 260 enquêtes par enquêteur, quand le 261e, c'est une affaire de violence intrafamiliale qui vous prend énormément de temps parce qu'il faut, et c'est normal, et c'est logique, et c'est ce qu'on attend d'eux, de recevoir les personnes, et qui matériellement ne peuvent pas le faire, ça génère 2 choses. 1, la souffrance de l'agent qui voit des victimes et qui se sent démuni, et donc qui génère vraiment de la
la souffrance, des arrêts maladie, des gens qui ne veulent plus travailler dans ces services-là, très concrètement. Et derrière, bah, évidemment, les victimes à qui on dit « oui, oui, votre plainte a été prise » et qui vont probablement terminer comment ? Sous la forme d'un classement sans suite, vaine recherche ou en tout cas un dossier insuffisamment consolidé et donc des preuves insuffisamment amenées et donc une justice qui ne pourra pas faire quoi que ce soit, ne pourra pas condamner ni l'auteur, ni, enfin, être en deçà des attentes des citoyennes et des citoyens. C'est pour ça qu'un certain nombre disent bah voilà, il faut sanctuariser des moyens, y compris sur les violences intrafamiliales, parce que sinon on ne s'en sortira pas si c'est mis dans le pot commun. Donc la question des moyens est première sur ce sujet-là. Concernant la circulation de l'information, j'ai bien que vous faites écho de quand on connaît bien le fonctionnement dans le quartier, quand on connaît bien la zone sur laquelle on agit en tant que policier à un moment donné, c'est plus facile de faire des enquêtes de voisinage, de savoir si effectivement il y a déjà eu des violences précédemment dans le couple, pour prendre cet exemple-là qui est sans doute le plus commun, et que du coup il y a un lien entre le policier de proximité et les enquêteurs est nécessaire. Mais j'ai envie de dire, ça c'est déjà le cas dans le périmètre de sécurité publique, c'est ce qui avait été vendu par la réforme dite Salanova, qui a engagé, il n'a pas tout fait, hein, mais il a engagé des dispositifs, de la filiarisation de la fonction judiciaire dans le périmètre de sécurité publique, avec les créations des sûretés urbaines, sûretés départementales, et une rationalisation de l'usage des policiers sur la voie publique, avec pour objectif augmenter le nombre de bleus sur le terrain. Et que cette recette-là conduit aujourd'hui, enfin je ne sais pas si c'est mécanique, mais en tout cas aujourd'hui on voit qu'après l'expérimentation de cette recette-là, il n'y a pas plus de communication, c'est toujours problématique, il n'y a pas plus de moyens, et il y a une désaffection grandissante pour l'investigation. Donc attention, moi ce que je dis c'est que les mêmes causes ayant tendance à produire les mêmes conséquences, ne reproduisons pas à nouveau ces éléments-là. Et pour le coup, ça, ce que vous dites, je le partage sur la connaissance du terrain, mais alors pour ça, il faut remettre en place une police de proximité dans le pays, voilà, avec des îlotiers qui ont un territoire qui leur a assigné, une connaissance du quartier, qui soient eux-mêmes connus par les gens du quartier, etc. Je n'ai pas l'impression que ce soit le sens de ce qui est fait actuellement. Il y a eu la police de sécurité du quotidien, dont on attend les rapports du lab PSQ, pour ceux qui étaient là à l'époque, qui nous avaient été promis sur l'expérimentation. Bon, voilà, mais donc on voit comment on pourrait faire, mais la vraie difficulté, c'est que quand vous regardez l'ensemble du périmètre police, vous avez trop de choses à faire pour pas assez de monde, de toute façon. Donc il y a des nécessaires priorités qui doivent être revues. Et je suis heureux, effectivement, que le ministre ait vu qu'il y a une corrélation entre le nombre de personnes commises sur la voie publique et le nombre de personnes qui nous manquent derrière les bureaux pour traiter les plaintes en question. Ça paraît tellement évident. Et que le pointé, ça c'est une bonne nouvelle pour moi et pour mon camp politique, c'est que quand vous dites qu'il y a... L'objectif, c'est peut-être pas de mettre énormément de bleus sur le terrain, mais de traiter les enquêtes qui sont en rade, qu'on ne fasse pas de vous un ami du crime et de la délinquance. Voilà, parce que les sophismes, je les connais. Des fois, je m'y laisse aussi aller, malheureusement. Comme tout le monde, j'essaye de me tempérer. Mais c'est important de pouvoir poser ces constats sans être l'objet d'invectives en disant qu'on finalement, on n'aime pas la police, on ne veut pas qu'il soit sur le terrain, etc. Le sujet est sans doute un peu plus complexe que ça. Sur la question de l'autorité judiciaire, le secret de l'instruction, en fait, tout réside dans les problématiques qui sont déjà actuelles et qui ne seront pas créées par la départementalisation. Il y avait des questions, on avait posé, est-ce que vous pensez que il y aura plus de risques demain qu'aujourd'hui ? La réponse est non, mais non parce qu'il y a déjà des risques aujourd'hui. Non, mais c'est dans ce sens-là, il faut lire. En tout cas, c'est mon interprétation, c'est mon analyse. Il y a eu un certain nombre d'affaires, il continue d'y en avoir, où la remontée d'informations, elle est évidente, côté ministère de l'Intérieur. Et le problème, et c'est pourquoi je porte une préconisation, de préciser ce qu'on entend par ordre public et ce qu'on entend par remontée d'informations. Vous savez, j'en suis pas complètement satisfait, mais vous savez que du côté ministère de la Justice, il y a une circulaire qui a été faite par Christiane Taubira à l'époque, en 2014, qui précise ce qu'on attend des procureurs en termes de remontée d'informations pour des raisons d'ordre public ou de sensibilité de l'affaire. Avec expliqué, doivent être retirés des éléments qui remontent, notamment à la direction des affaires criminelles et des grâces pour l'autorité politique au-dessus, des éléments concrets de l'investigation et des éléments surtout à venir. Il ne doit pas y avoir d'éléments à venir, les futures perquisitions, les futures gardes à vue, etc., ce qu'on peut comprendre. C'est mis noir sur blanc, c'est écrit, c'est cadré. Côté ministère de l'Intérieur, il n'y a rien de tout ça. Alors qu'est-ce que c'est de l'ordre public ? C'est quoi ? Est-ce que c'est un article dans la presse sur une personnalité du coin ? Oui, ça peut être un problème d'ordre public, qu'il y ait un article dans la presse d'une personnalité du coin. Donc je fais remonter les informations puisqu'elles sont d'ordre public. Elles ont d'ailleurs été rendues publiques.
Et pourtant, ça pourrait, si on regardait dans le détail, contrevenir justement à cette séparation entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sur le contenu de ce qui peut être remonté. Les ministres de la justice successifs le disent soit à demi-mot, soit directement, en disant quand quelque chose vient d'arriver, ne me demandez pas à moi, ministre de la justice, des informations, j'en sais rien, le premier prévenu, c'est le ministre de l'Intérieur, y compris quand il y a immédiatement ouverture d'une enquête préliminaire. Donc, normalement, immédiatement couverte par le secret de l'enquête. Et c'est un des cœurs du sujet. Effectivement, la départementalisation, on peut craindre que par une proximité grandissante, parce qu'il y aura autorité hiérarchique, il n'y aura pas autorité fonctionnelle, mais il y aura bien autorité hiérarchique entre le DDPN et les services de police judiciaire mis sous son autorité, qu'effectivement, il y ait la tentation de faire remonter. Et pas en cherchant à mal. Je ne suis même pas dans le procès d'intention. C'est je fais remonter parce que c'est mon chef et je vais faire remonter. Il a besoin de savoir. Bon. Donc, c'est le cœur du sujet. Moi, je pense que ça n'apporte pas les garanties suffisantes. On prend le risque de les aggraver, même si on remet noir sur blanc qu'il y a un code de procédure pénale. Il existe déjà aujourd'hui, et pourtant, des gens y contreviennent. Qu'il ne faut pas départementaliser le périmètre police judiciaire et qu'il faut une chaîne hiérarchique séparée de la chaîne ordre public. C'est pourquoi je ne m'oppose pas au fait qu'il y ait dans une même direction police aux frontières, renseignement territorial, sécurité publique au sens ordre public, voie publique. Je trouve que c'est même cohérent de mutualiser des choses qui peuvent être dispersées, discutent pas ensemble. Donc c'est là le cœur de notre sujet et de notre divergence aussi d'appréciation. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on aura mis sur le papier fera qu'on aura donné des garanties, au moins minimales, pour que tout ça n'aille pas dans le décor. Je rappelle que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que la réforme de 1995, qui prévoyait d'éviter les oppositions entre police en tenue, police en civil, meilleure synergie, mutualisation des moyens, etc., conduisent à la désaffection dans la filière judiciaire. Donc regardons ce que l'on va faire, ce qui va se passer sur le temps long. C'est de notre responsabilité politique et c'est important. Je veux dire un dernier mot, Monsieur le Président, pour remercier les administrateurs, parce que sachez qu'ils ont été plusieurs sur le coup suite à diverses péripéties. Je les ai épuisés. Bon, ben, peut-être que Marie aussi est pour quelque chose. Non, plus sérieusement, Lucas Fournier, qui est juste à côté de moi à l'instant et qui nous a plus que grandement aidés et n'a pas compté lui aussi ses heures comme les membres de la filière judiciaire de notre pays. Je pense aussi à François Puteau et à Théodore Bidegrain qui ont pu participer à tout ça. Et on ne vous raconte même pas les péripéties de train que nous avons à subir. On se dit que des fois, il n'y a pas de justice dans ce pays. Bien, merci beaucoup. Alors, il semble que le ministre Bruno Le Maire ait été victime des mêmes péripéties. Donc, finalement, il y a une justice. Bref, et vous savez que je dois mettre au voie le rapport pour qu'il soit publié. C'est une disposition de l'application, de l'article 145, alinéa 7 de notre règlement. Et donc, je vais vous demander de vous prononcer. Qui est pour la publication du rapport? Qui est contre la publication du rapport? Le rapport sera donc publié. Merci beaucoup et bonne soirée. Et je vous précise qu'on ne se retrouve pas demain, puisqu'on n'a pas de séance demain. En revanche, on se verra mercredi prochain.